monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite intro spéciale. Petite intro que j'ai déjà tournée hier, car hier, je vous avais fait un... Je m'étais installée donc, sur ma table où j'ai mis la rallonge. Et je vous avais fait un plan de toutes les vidéos que j'allais faire cet après-midi même. Or, problème de disque dur sur le PC, j'ai fait mon Kinder, la vidéo est passée à la poubelle. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si sur les vidéos que vous allez voir, vous allez me voir habillée pareil. Pas de souci, je me lave tous les jours, sauf que j'ai tourné 6 vidéos hier après-midi. Et je voulais vous faire la petite intro pour ça. Et puis vous dire que dans une des vidéos, je vais vous demander une petite participation. Donc n'hésitez pas à commenter lors de la participation. Hein, j'ai besoin de votre retour. Voilà. Sur ce, je vous dis bon visionnage. À plus tard. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit unboxing particulier. Donc c'est suite toujours au craquage de mon mari du mois de mai. Voilà. Alors, il n'y a pas d'enveloppe parce que quand je l'ai reçu, j'étais en salon. Et que j'ai voulu faire voir aux copines ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai fait voir aux copines en salon. Et au bout donc de 2 jours, donc bien évidemment j'avais jeté l'emballage, je me suis rendu compte qu'il manquait un article. Voilà, j'avais acheté 3 articles chez ce vendeur. Je vous donnerai le nom. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il manquait un produit. Donc j'ai ouvert un litige. Du moins, j'ai envoyé un message au vendeur qui ne m'a jamais répondu. J'ai ouvert un litige avec AliExpress. Donc j'étais toujours dans les dates. Hein. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et là, je viens de voir que mon recours est nul. Voilà. Nul parce que il faut fournir donc avec le numéro de suivi de colis, avoir le poids du colis. Je sais pas si je viens. Ils m'ont demandé d'aller à la poste avec mon numéro de colis et demander à la poste le poids que le colis faisait et refaisait ceci. Oui, oui, oui. Donc, je me suis exécutée. Je suis allée dans 2 postes différents. Du moins, dans ma poste qui est à côté de chez moi et dans mon centre de tri un tout petit peu plus loin. Et les deux ont été formels. Ils ne peuvent pas me justifier un poids d'un colis étant donné qu'ils ne revérifient pas. Voilà. Ils me disent, ils peuvent très bien marquer qu'il y a 3 kilos alors qu'il n'en fait que 1. Voilà. Elle me dit... Et effectivement, donc je leur ai répondu et puis là on vient de me dire que je m'assois sur 4 euros et des brouettes. Hein, je vais vous dire le montant, hein. Je vais vous donner le montant de ça. Donc €4,55 et c'était donc un stickers pour mettre vers les intérieurs sur les devant les derrière les interrupteurs. Ça veut bien marcher. Donc je viens de le découvrir à 2 minutes avant de vous faire la vidéo, comme quoi mon litige était nul. Hop là, je voulais pas vous faire voir tous les achats, je voulais vous laisser la surprise. Donc 4,55. Le vendeur, c'est... Alors, je vais vous faire voir d'ailleurs le truc. Moi, je leur ai envoyé un message le 7 juin. Bonjour, je viens de m'apercevoir que ma commande, il me manquait un produit, l'autocollant, sur ma commande. Le message est toujours en non lu. Voilà, et on est bien sur du 7. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. C'est très professionnel ce petit vendeur, hein.
Et il s'appelle Mega Youput. MEGAYOUPUT. Voilà. Donc moi, il va aller dans ma blacklist. Hein. Ça, c'est clair, net et précis parce que il a su répondre, je pense, à AliExpress. Et puis, bah, moi, je m'assois sur 4 euros et des brouettes. Hein. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite lampe. Que je ne sais plus le prix, du coup. La lampe, 6,65 €. Voilà. Donc, j'ai quand même regardé dans le carton. S'il n'y avait pas l'autocollant, hein, bien évidemment, hein, mais non. Donc c'est une petite lampe toute simple. Hein, c'est vraiment pour vous présenter des supports que j'ai pas habituellement l'habitude de faire. Où il faut deux piles AA. Voilà. On a les petits le petit froufrou. Je ne sais pas à quoi ça sert, l'élastique. Ça va parler curieux peut-être. Ouais, je suis un petit peu agacée, ça s'entend, hein, je pense. Mais ouais, là, je... Je ne sais pas comment ça s'accroche. Bon, je regarderai après. Voilà. Là, j'ai vu que le papier ici s'enlevait. On a un toolkit de base. On est envahi de mouches. Bon, après on est envahi de mouches parce que ben je suis maintenant à la maison à temps plein. Et ben non, ça j'en ai encore besoin. Et du coup je laisse les portes, les fenêtres ouvertes. Alors on a des gros pidules chouettes comme ceci. Bon, il y a pas mal à diamanter quand même, hein. Allez, hop. Hop là. Donc il y a pas mal à diamanter. Non, il n'y a pas de référence DMC. On a une référence à 61 de partout. Donc c'est la référence, je suppose, de la lampe. Hop. Le petit élastique avec, on va rien perdre. Hein. Donc ouais, je suis quand même écœurée parce que pour un service après-vente, quand même, j'estime que il pourrait quand même avoir un petit peu plus quand même. Au moins répondre, hein. Donc ouais, ça s'enlève. Donc c'est peut-être plus pratique aussi pour faire la pose des diamants. Ça se remet. Je suis même en train de me demander. Non, je pensais que c'était autocollant, mais non. Voilà. Hop, donc la petite lampe. Ceci. Et donc, je me suis pris un petit sac comme ceci. Donc, je vous en avais présenté un déjà il y a quelques temps en arrière. On va pas y revenir dessus non plus. Hein? Alors, ce petit sac. Alors. Moi j'aime bien ces petits sacs, c'est l'été, quand on part en vacances avec mon mari. Je ne prends pas mon gros sac à main, où il y a tout mon petit bazar. Hein, voilà. Je pars avec un petit sac et je prends vraiment le minimum, carte d'identité, carte de sécu, carte de mutuelle en cas où. Le portefeuille avec le minimum. Hein. Et voilà, donc je pars avec un tout petit sac, mon mari il a sa sacoche. Où lui il a le chéquier, voilà, tout ce qu'il a besoin, mais voilà. Et c'est vrai que voilà, pour partir à droite à gauche, voilà, et puis j'aime bien. Alors, on a le toolkit de base.
donc ça je vais y enlever tout de suite. Donc le stylet, le pain de colle et la barquette. Voilà. Hop, ça colle super bien. On a le petit froufrou et la petite chaîne pour mettre le sac. Alors, comment ça s'accroche? Ça s'accroche comme ça et comme ça. Donc les nœuds, hein, c'est pas super top top. Ah, y a des trucs qui me... Et donc ça, c'est deux petits anneaux, ça doit être pour tenir ceci, pour le mettre ici. Voilà. Bon, je ferai le montage quand j'aurai fait le sac. Hop. Ensuite, les diamants. Hop là. Nous avons, on n'a pas de AB, il n'y a pas de référence DMC dessus. Ici, des gris, des verts, du violet, du rouge. Du bleu et du orange. Ensuite, on a des petits yeux de chat comme ceci, des tout petites comme ceci. On a des petits yeux de chat un petit peu jaunes, un petit peu plus grands comme ceci. Désolée, ma chaise elle fait du bruit, c'est parce que les mouches elles me chatouillent les jambes et ça m'agace. Voilà. Ouais, on voit qu'ils poussent et là les mouches sont de retour. Comment ça va que dès le matin que je me lève jusqu'au soir que les fenêtres elles sont ouvertes et voilà. Donc, comme on aime bien vivre dehors. Donc du coup le petit sac je l'ai eu à 4,95€ et la lampe à 6,65€. Voilà. Voilà, voilà. Donc et ben voilà, celui-là il est fini de l'unboxing. Et puis ben il me reste toujours un article qui devrait arriver de la grande folie des grandeurs de mon mari. Voilà. Allez, à plus tard. Thank you.